Bonjour, alors je m'appelle Agathe Veil, je suis directrice de la communication France du groupe Elior. Alors Elior Group, c'est un acteur majeur de la restauration. C'est un groupe qui a 130 000 collaborateurs, qui sert 5,5 millions de personnes et de convives chaque jour. En France, c'est le numéro 1 de la restauration collective. Quand j'étais à l'ISCPA, j'ai rencontré Frédéric Fougerat, qui était prof à l'époque. Je lui ai demandé de me prendre en stage. Au bout de 3 mois, il m'a proposé de m'embaucher. J'ai naturellement dit oui, parce que je pense que quand on a trouvé un tel niveau de symbiose, de confiance, qu'on se comprend, qu'on se respecte et qu'en plus on se marre, je pense qu'on a trouvé son patron, donc il faut le garder. La communication, c'est pas une question de goût, mais d'efficacité. Communication, c'est une somme d'expertise où le bon sens, où la créativité, où l'intuition a toute sa place, mais en revanche, qui doit vraiment pas être polluée par une question de goût et de couleur. Pour moi, la communication, c'est un vrai métier où on a de l'intelligence derrière ce qu'on fait et du contenu derrière ce qu'on fait. Il faut aimer le travail d'équipe pour travailler dans la communication, il faut être curieux, il faut savoir écouter pour pouvoir accompagner au mieux les projets qui nous sont confiés. Je pense que ce qui change radicalement en ce moment et ce dont les entreprises commencent à peine à se rendre compte, c'est que, et notamment avec l'avènement des réseaux sociaux, le pouvoir change de camp. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle a une vraie responsabilité dans le monde qui l'entoure. Je pense qu'en tant que communicant et en tant que citoyen, c'est notre devoir d'accompagner l'entreprise pour s'inscrire et pour s'engager. Je pense que ce sont des prises de position fortes et qui font qu'une stratégie de communication est efficace et cohérente et utile à la stratégie de l'entreprise.